Coucou, allez, on va faire une ouverture de courrier qui me vient de Dominique de Belgique. Je n'ai pas encore ouvert, voilà. C'était un petit peu ouvert sur le côté là, mais c'est pas moi qui ai ouvert. Promis, c'est pas moi. Donc, j'espère. On va ouvrir. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop joli. Alors, est-ce, bon, je dirais shabby, mais est-ce que c'est shabby ou est-ce que c'est vintage? Parce que comme vous le savez, moi je suis une bille en catégorie, je ne sais pas. Je ne sais pas reconnaître, mais je dirais plutôt du shabby, voilà. Est-ce que j'ai bon? Allez les filles, dites-moi, j'ai bon ou j'ai pas bon? Alors, ah j'arrive pas, voilà. Coucou, voici, ah oui! Ah oui, je me rappelle, excuse-moi. Je me suis dit, on a un échange et tout. Oh là là, quand vous allez voir ce que j'ai reçu. J'ai pas regardé encore. Mais rien que la première phrase. Coucou, voici les cartes gorgeous. Belgique, gorgeous. Si je vous dis Belgique, gorgeous, Panini. Ça vous parle? Comme promis, il y en a deux qui sont en double pour ta maman. Et comme tu vois, je t'ai mis les doubles que j'avais. Et... pour moi, c'est bon. Que j'avais. Oh, j'ai hâte de les voir. On va être patiente. Je vais vous montrer le bel ATC aussi. J'aime trop. J'aime trop les styles comme ça aussi. Mais moi, des fois, au moment de m'y mettre, je suis bloquée. J'arrive pas. J'arrive pas à faire des choses autres que. Comme quelqu'un m'a dit, c'est un peu. Mon style, moi, c'est un peu, on va dire, naïf enfantin. Voilà, c'est ça que, comme ça, parce que dans une des vidéos, j'avais essayé de demander, à votre avis, c'est quoi mon style de scrap? Parce que moi, je sais pas me définir, je sais pas dire, je fais du scrap comme ci ou comme ça. Donc, du coup, j'arrive pas à définir mon style. Et dans les commentaires, j'ai vu que c'était plutôt, ouais, naïf enfantin. Bah, je trouve que c'est un bon terme. Voilà. Donc c'est la 1 sur 12 et le titre c'est récup papier. Bah ouais, c'est une bonne idée. Mais c'est, enfin, je veux dire, c'est simple en fait, une fois qu'on a un fond qui est joli, découper des petits triangles comme ça, les ancrer sur les bords et ça fait un effet trop top. Enfin, je trouve que c'est, ça claque quoi, enfin, je trouve que c'est joli, ça pète. Je sais pas, alors. Allez, on ouvre. Allez, hop. Oh my god. Oh là là. Je vous montre ça. Mais regardez. Oh là là. Mais celle-là, c'est mort. Je vais l'encadrer, je vais jamais l'utiliser. Mais pourquoi on n'a pas ça en France? Monsieur Panini français, si tu passes par là, t'es gentil, tu nous fais ça aussi en France. Oh là là, elle est magnifique. En plus, regardez derrière comment c'est. Je suis amoureuse de ces trucs-là, mais un truc de fou. Et je ne pourrai jamais les utiliser, c'est mort. Je crois que je vais reprendre la dimension. Je sais pas, ça doit faire 10 sur 15 ou quelque chose comme ça. Et je crois que je vais les encadrer. Je crois que je vais les encadrer dans ma future scrap room. Oh, j'adore. J'adore. J'ai regardé un peu pour en acheter. J'étais sur le site eBay. Je me suis dit, ouais, je vais eBay. Et le site Panini. Tellement l'habitude d'aller sur eBay. Que j'ai regardé si nous, on pouvait en acheter ça. Mais il y a plusieurs collections, alors je sais pas si c'est la collection avec les grandes cartes comme ça ou pas. Mais si j'avais... Ah oui, les doubles. Ah oui, bah ceux-là, oui, j'en donnerai à ma mère. Voilà, celle-ci, il y en a deux. Donc maman, t'en as une comme ça pour toi. Je vais la mettre de côté, dirais tout de suite. Et une comme ça aussi en double. Oh là là. Tu, franchement, tu pouvais pas me faire plus... plaisir que ça. À la base, j'avais lancé un appel pour dire si quelqu'un sait où je peux me procurer cette carte-là, parce que celle-ci, forcément, Gorgeous plus Bambi, voilà, j'aime trop.
Et bah gentiment, Dominique, elle me les a envoyés. Je suis trop ravie. Alors là, ma journée, elle est. Il n'y a pas de soleil dehors, mais il y a du soleil. Voilà. Pourquoi ça clignote? Est-ce que ça va couper? Donc je vais arrêter ma vidéo ici, puisque j'ai l'impression que ça va couper. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc merci, merci Dominique. Si ça coupe, je suis désolée. Mais mille merci. J'ai ma coupe toute pourrie là. Mais j'avais trop envie de filmer là. J'ai fait une série de vidéos avant de partir bosser. Oh, je suis trop contente. Ah ouais, alors il faut que j'achète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadres. Bon, ça va, c'est facile à se rappeler. Je vais m'acheter 10 cadres et c'est sûr que je vais les mettre dans ma future scrap room. Voilà, donc mille merci, j'aime trop, trop fan, je vous la montre encore parce qu'elle est trop trop belle. Voilà, si ça pouvait faire ma miniature, parce que en fait quand je fais ma vidéo YouTube là, il me propose 3 miniatures mais des fois c'est tout pourri. Donc alors du coup je mets autre chose. Donc voilà, donc je sais pas laquelle qui va me proposer, si c'est moche ou si c'est beau. Donc mille merci, en plus tu m'as mis ton adresse, oui parfait, donc c'est top, je remets dans l'enveloppe parce que vu que j'ai plusieurs courriers là, j'ai ouvert plusieurs courriers, j'ai peur de me perdre. Bon, je sais pas pourquoi ça clignote, ça n'a pas coupé, je vous laisse, mille merci, franchement, mille merci, voilà, je sais pas quoi dire. Bisous, bonne création à tous, à très bientôt.